Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance des dieux, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit intervenir les gens d'une synagogue et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir tenir tête. À la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspiraient ces paroles, alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent : Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameurtèrent le peuple, les anciens et les scribes. Ils allèrent se saisir d'Étienne. Ils l'emmenèrent devant le grand conseil. Ils présentèrent de faux témoignages qui disaient « Cet individu ne cesse pas de parler contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruira le lieu saint et changera les lois que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, je viens.